On n'est pas sorti du poteau noir, hein. on est en plein dedans. Plus c'est rouge, plus il y a de la pluie. Par contre, c'est petit répit, quoi, qui nous permet de recharger les batteries, de se reposer, de manger et de faire les tapas. Parce que ça vole pas, les squids, normalement. Enfin, les squids, c'est les morgates, quoi. Enfin, c'est calamars, c'est petites morgates, hein. Il faudrait demander au local. Regardez-moi sur la tapita de calamars. La pêche du squid, là, ça n'a pas été compliqué, en fait. Je l'ai trouvé sur le pont. Non, t'as beaucoup plus de mérite que ça. Et un calmar, comme ça, en course, au milieu de Brest Atlantique, c'est quelque chose. Hein. C'est pas du hasard. Là, il est très modeste. On appelle ça du kilomètre zéro, hein. Produit local. Exactement. Et voilà. Joli calamar, trouvé sous le Genaker. Ça, idéalement, là, on mettrait deux œufs. Paf, paf. Hein. Ouh, il s'accélère. Le vent, il a senti l'odeur du calmar, et là. Dans les règles de course, c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'embarquer de l'avitaillement. Ah, mince. Après, il faut couper là. Magnifique, des œufs au calmar, du poteau noir. Et voilà, dégustation. Super, merci. Merci. En bordure du nuage. Là, il fait beau, là.